Jean-Michel a pâti au cœur d'une vive polémique. Vendredi dernier, le journaliste avait critiqué la tenue rouge d'Audrey Crespo-Mara alors que la présentatrice ouvrait le JT de 20h de TF1 avec les attentats perpétrés en Espagne la veille. Pas sûr que la robe rouge d'Audrey Crespo-Mara soit très adaptée à l'actualité ce soir, avait-il posté sur Twitter. En retour, via une avalanche de tweets, les internautes ont rapidement accusé Jean-Michel Apathy de misogynie et de sexisme pour ses propos jugés déplacés. Pour calmer le jeu, le chroniqueur a tenté de s'expliquer dans une interview accordée au Huffington Post. TF1 a fait le choix légitime d'ouvrir son journal sur une séquence forte en diffusant des images de la minute de silence à Barcelone. On est dans la tristesse, le drame, il y a une volonté de dramaturgie. Mais quelques secondes plus tard, on découvre cette robe rouge sur le plateau. On ne va pas en robe rouge à un enterrement. Le rouge, c'est la couleur de la joie, de la fête. Il a également souligné qu'il aurait fait la même remarque si Gilles Boulot, présentateur du JT en semaine, avait porté une cravate.